Salut à tous, c'est le Major Pingouin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'inventaire de notre petit Barokitir qui est revenu sur le relais Orcus ce week-end et il vend des trucs vraiment pas trop mal du tout. Faut pas dire que c'est bien. Donc déjà, il vend le Shade Prisma. Faut pas déconner, c'est bien. Le Scana Prisma, c'est bien aussi pour récupérer de la maîtrise. Au niveau des modes, on a le droit au traumatisme lourd accru, donc plus d'impact sur les mêlées. Donc c'est bien, très bien. Bon, mutation de sniper, ouais, on va dire ouais. Je suis un peu moins fan. Fléau des corrompus accru, mais c'est génial, parfait. Stock de balles accru, ouais, bof. Le Angstrom Prisma aussi pour avoir un peu de maîtrise. Et le canon plaqué Rubedo accru. Donc pour les Nécramecs, c'est. Enfin, pour les Nécramecs, pour les arcs-fusils, donc Nécramecs en passant. Et si vous pouvez porter, c'est pareil. Faites plus de dégâts. Et c'est pas mal du tout. Après, niveau de la balise, ils vendent le trio de Grustraï. Bon, c'est pas terrible. Ça aurait été le loot 76, il aurait été excellent ce barreau. Mais bon. On a déjà de très bonnes jambes. Après, pour la déco, on a le petit drone domestique qui est pas trop mal. Bon, mieux. Au niveau des armures, bon, c'est un peu terrible. Et au niveau des Sindana, moi j'aime bien le Rakta, mais après, ouais, le 4 Prisma, pourquoi pas. Après, c'est de la déco, donc on s'en fout un peu. Pareil pour les sceaux, on s'en fout un peu, quoi. Même si là, apparemment, lui, on le voit pas souvent. Donc bon, voilà tout. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Le petit Shade Prisma, le petit Scana Prisma, donc pour au moins faire les maîtrises. Bon, le Angstrom, faut que je récupère encore un peu du 4, mais ça va se faire. En gros, n'hésitez pas à récupérer ce que vous avez à prendre. Sur ce, vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Bye!